Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Jo, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui sur One Piece Treasure Cruise pour une petite vidéo spéciale car aujourd'hui nous allons seulement regarder le planning de juillet, donc toutes les sorties des Vortex, Donjons et Raids. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, je l'ai jamais fait. Alors malgré ça tout avant vous allez vous dire mais il a encore fait un autre compte machin. Ouais non mais ça, en fait c'est un compte que j'avais fait il y a quand il y avait eu l'event pour les Miss Valentine là. Regardez, je vais vous montrer. Et finalement je vais le reprendre, je vais le monter en tant que compte secondaire. Vous voyez, je suis Mister Joe au carré parce que voilà, Vivi en Valentine, franchement je trouve ça sympa pour débuter. Après bon j'ai eu Crocus qui est pas fou mais il réduit la durée de lien des espoirs de 2 tours et en plus il soigne du poison. Donc je me dis ça peut être sympa. J'ai eu quand même encore Izu, j'ai eu sur 3 comptes quand même, j'ai pas mal de chance. Et Khalifa en mode réducteur de dégâts. Pour Baggy et Nami, hein, voilà, et un petit tutop. Ça fait toujours plaisir. Voilà, petite équipe pour débuter parce que. Figurez-vous que, à part, enfin, j'ai l'impression que le, comment dire, que Bandai Namco là, ils sont encore, soit ils sont en vacances ou je sais pas quoi, parce que je peux pas accéder au formulaire pour récupérer mon ancien compte, le gros compte, donc on va recommencer, hein. Pas trop le choix en attendant. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais il faut bien que je fasse quelque chose en attendant. Donc au niveau du programme. Vous voyez, c'est joli, je vous ai mis ça en fond d'écran avec toutes les dates, machin et tout. Mais il y a des choses qui ne sont pas comme le Sugo Fest qui dure 48 heures. Partie 1, apparemment il va être en deux parties, du 8 au 10 juillet. Donc c'est absolument dans quelques jours. Non. Par rapport à l'équipage de... Attendez. Donc Quixote avec Corazon. Ouais, première partie, Corazon qui est nouveau en Dex, manqué des Luffy, écume des rêves de sans fin. Strong, nouveau, donc un nouveau Luffy ils vont sortir. Et après, tout ça, c'est du déjà vu. Ok. Majvijay, Gladius, Violette, Dellinger et Diamante sont nouveaux aussi. En 4 étoiles, ils sont là. Ok, bon, donc il y a ceci. Ensuite, donc nous sommes, attendez, actuellement je tourne la vidéo le 5 juillet, donc 5 juillet, il y a... Attendez. Ouais, il devrait y avoir Tibonne. 5 juillet, bah voilà, il y a Tibonne, la justice absolue qui sort. Personnage que j'avais pas encore vu. Je ne sais pas ce qui vaut, je vous afficherai peut-être les stats du personnage à l'écran tout simplement. Ensuite, il vient avec le donjon de Krieg. Or Krieg, c'est pas un personnage. C'est un personnage qu'on peut dropper au début de l'histoire. Il me semble que c'est. Il me semble qu'on peut le drop au Baratie. Donc voilà, c'est vraiment le tout début de l'histoire. Ensuite, vous avez le Red Boss d'Ener. Je ne pourrais pas faire malheureusement. Je ne vais pas faire grand-chose. Enfin bref, vous avez le Red Boss Ener qui arrive donc vendredi. En général, c'est le vendredi, mais... attendez, il est bizarre ce... le 7. Le 7, et attendez, on va comparer. Hein. En tout cas, c'est dans la semaine. NR, le 7, ouais ça va. Le 7 et 8. Sans blague, il arrive si tôt, attendez. 7, 7 et 8, ouais, jeudi, vendredi. En fait, je dis n'importe quoi, c'est toujours pareil. Toujours plus ou moins pareil. Ok, donc après, vous avez la semaine suivante, vous avez Sadie et Ina. Donc, franchement, Ina et Sadie, je vous conseille de les farmer vraiment parce que Sadie permet de faire, attendez, un truc un peu comme le Luffy Gear Sword avec les parfaits en captain. Et Hina permet de bloquer les cercles, c'est un quick. Alors j'ai fait une vidéo sur le donjon de
Sadie quand il était sorti. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller la voir, hein, c'est dans la playlist. La playlist One Piece, tout simplement. Pareil pour Ina, je l'avais fait. Ensuite, vous avez le Red Boss de Chopper Monstre que j'ai peut-être pas fait. J'avais eu le mois dernier, je crois, mais il me semble pas que j'ai fait une vidéo dessus. Ou peut-être que si. Je crois que j'ai fait une vidéo First Strike dessus, donc oui, j'en ai fait une. Voilà, super. Donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Après, le samedi 17 juillet, il y aura du Ivankov. Alors il me semble que le Ivankov de Red est pas exceptionnel comparé au Ivankov qu'on peut drop en comment ça s'appelle? En purée, en taverne. Ensuite vous aurez Zeph au pied rouge. Mode Quick, je crois que c'est la version jeune, un petit peu jeune, qui est relativement pas mal parce que son personnage, enfin son personnage, son leader skill permet de booster les cogneurs, l'attaque des cogneurs x2,5, donc c'est toujours très intéressant. Ensuite vous avez Morgane le sabreur, toujours un personnage qu'on peut dropper en quête, celui-ci, qui est intéressant pour débuter, c'est un strong sabreur, mais bon après c'est pas du tout le meilleur. Ensuite nous aurons le 21 Barbe Noire. Barbe Noire, alors ouais, je l'avais eu à la fin aussi. Enfin, c'est dégoûtant. Hein. Ah là là. Enfin bref, j'avais fait une vidéo ou deux même. Je crois que j'avais fait deux vidéos sur Barbe Noire. En tout cas, n'hésitez pas à fouiller dans la playlist. Vous trouverez pas mal de choses quand même, je pense. Ensuite, bon, il y a un point d'interrogation sur le 24, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Le 26, on aura le donjon de Domingo, que je conseille quand même de farmer. C'est un personnage qui fait un petit peu à la releg, multiplicateur de combo, et en plus elle soigne toujours en leader skill, capté de enfin habilité de capitaine. Et franchement, que j'ai utilisé quelques fois quand même, c'est une psy, donc que j'ai trouvé vraiment intéressante. Sur certains donjons, hein, pas tous bien évidemment, c'est pas ainsi étoile non plus. Ensuite vous avez qui vient avec le donjon de Khalifa. Khalifa, dans mes souvenirs lointains, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle bloque les cercles sur un tour, à moins que c'est son pote. Ça doit être son pote et elle doit faire autre chose. Enfin bref. Ouais, quelque chose comme ça. Oui. Enfin, j'ai pas trop envie de vous dire de bêtises. Hein. Vous chercherez au pire par vous-même, soit une de mes vidéos, soit sur le wiki où je le marquerai carrément. Comme ça, tout le monde sera content. Ensuite, on aura Gwarp, franchement, qui est à farmer. Hein, c'est un très bon personnage psy pour qui donne des RCV en plus avec son donc les jambonneaux avec le. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est dingue. Le spécial, voilà. Merci à moi-même. Et en fin du mois, donc le 31, nous aurons le donjon, donc le raid plutôt, demi-walk à farmer aussi, hein. À farmer aussi. Je l'avais level 99 avec des barbes papa, un sabreur, et pour Captain Ability 2 x 2,5, il me semble, pour les sabreurs. Donc c'est toujours très 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 intéressant de l'avoir. Donc je pense qu'on a fait le tour des actus de juillet. Ça fait pas mal de choses. En plus, il y a pas mal de choses intéressantes parce que des fois, c'est pendant 15 jours, vous avez des trucs des personnages qui valent même pas la peine d'être fermés à part pour la collection. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Je donne mon côté, donc sur ce compte, je vais essayer d'économiser mes gemmes. Pour un Sugo Fest que j'essaierai de faire en vidéo. Par contre, pour ceux qui veulent m'ajouter, je vous vois, ne vous inquiétez pas, je vois vos commentaires, je les lis. Et je ne réponds pas. En général, quand j'ajoute quelqu'un, je lui dis je t'ajoute. Mais alors. Comment dire? Je sais pas si. Ouais, écoutez. Enfin, on va faire un truc. Je vais.
relire tous ceux qui m'ont donné leur idée, je vais leur répondre et je vais vous ajouter sur le compte secondaire. Et en attendant d'avoir le compte principal, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, ajoutez-moi, donnez vos idées dans les commentaires comme d'habitude. Je vous ajouterai sur le compte secondaire, comme ça vous passerez dans les vidéos comme d'habitude. Je sais que ça fait plaisir à certains ou certaines. C'est pareil, moi ça me ferait plaisir. Donc voilà, ça ne coûte rien, ça mange pas de pain et en plus ça m'aide vu qu'il faut que je recommence. Voilà, je pense que j'ai vraiment tout dit sur ce, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu, tout simplement. Et n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo aussi. Ça peut. Non, ça me fait très très plaisir. Et je vous dis tout simplement à la prochaine sur One Piece, à Treasure Cruise. Peut-être le Jap, hein, qui sait, je vais peut-être faire les news Jap. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir les news Jap. Voilà. Ciao tout le monde.